مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. النهار عندنا واحد الطاجين بالمش ان شاء الله يا ربي، وكنقول لكم ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو وديروا ابوني وخليوا لي الكومونتير يكون مزيان مزيان ان شاء الله يا ربي معكم. وفوالا هضر في هذا المشي بشويه بشويه معكم. انا عندي اللحم تاع المش، فوالا اللحم تاع المش غادي ندير الطاجين. هنايا عندي اللحم، انا عندي اللوبيا خضراء، هنايا عندي الكاروت او لا الجعده او لا الزروديه، هنا عندي الطماطيش، هنا عندي جوج بصلات حمر، وهنا عندي البطاطا. هنا عندي الثوم، هنا الثومه غادي نقطعها قدامكم. Alors salam mes chers amis, j'espère que vous allez bien, soyez à tous la bienvenue. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de j'aime, partager à tout votre entourage, ça nous fera extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein. C'est juste en dessous de la vidéo. Alors déjà aujourd'hui, on va préparer un petit tagine, hein. Il nous faudra de la viande de mush, ensuite des haricots princesses comme vous pouvez le voir, des carottes, on en a pris 4, une tomate, 2 oignons, 7-6 pommes de terre, de l'ail et bien évidemment de l'huile, de l'eau et les épices qu'on va vous dire tantôt. Et aussi de la coriandre et du persil bien évidemment. Voilà. Et on vous dit à tout de suite. Bisous. Alors déjà, on va préparer une cocotte les amis, hein, comme vous pouvez le voir. On va rajouter un peu d'huile, d'olive. C'est pour cuire. Voilà. C'est pas pour donner de la. Mais quand je viens de parce que tu vois, on a mis de la haka, je vais nous les déclencher, les barrières, ma fille, je vais vous faire. Il y a un jugement de zit. Alors là, on a mis 2 cuillères à soupe, hein, les amis, d'huile d'olive. Hein? Sur la bouteille, il y a un petit truc qui fait que ça fait goutte par goutte. On va laisser un peu cuire l'huile. Alors ensuite on va mettre un peu de sel. Si vous n'avez pas de sel en gros morceaux, hein, vous pouvez prendre le sel normal. En tout cas j'espère que vous allez bien les amis. Alors ensuite on va mettre la viande, hein, de mush, c'est de la viande de veau. Alors on va mettre un peu de curcuma, mes amis. Voilà. Et on va mélanger un peu, hein, tout doucement. On va laisser la viande cuire, hein, et fermer la cocotte. Bien dorer la viande avant de mettre l'eau ou quelque chose. On va laisser la viande dorer. Ensuite, on mettra l'eau et les légumes. Du coup, on va aller couper les oignons. On va les couper en petits morceaux. Vous pouvez les couper comme vous voulez, hein, en lamelles ou bien en petits cubes comme nous on est en train de faire.
Ouais, de la coupure qui met en l'air. De soie qui met en l'air. Alors ensuite on va couper l'ail les amis comme vous pouvez le voir. Surtout, on va le couper en petits morceaux aussi. Hein. Alors comme vous pouvez voir déjà la viande, hein. Elle est déjà en train de dorer. Là on vous montre hein, quelle texture ça doit avoir. Pour ensuite pouvoir mettre les oignons et l'ail qu'on a coupé. Et on ferme la cocotte hein, les amis et on laisse encore cuire. Et on va commencer à couper la tomate. Alors la tomate on va la couper aussi hein, comme les oignons en petits cubes. C'est important de suivre la chronologie des légumes qu'on met dans la cocotte hein, pour la cuisson les amis. En tout cas ça commence déjà à sentir excellent. Hein. Je vous conseille de reproduire ce plat, vraiment. Alors, on va tout de suite mettre les tomates dedans les amis. Et on va mélanger hein. On n'a pas encore ajouté d'eau hein, les amis. Non. Juste deux cuillères d'huile. Donc, sinon on n'a rien rajouté. Alors là maintenant on va couper les 4 carottes hein, qu'on a. On va commencer à les couper en deux hein, les amis. Voilà, juge. Ensuite, ah oui, on va les couper en diagonale comme les desserts, c'est ça? Macrot. Macrot.
on les met de côté, hein, bien évidemment. Bientôt, on fera la recette Bissara. On va faire un peu des plats d'hiver car il commence à faire froid, hein, les amis. Et demain, les amis, on fait un live. Hein, du coup, n'hésitez surtout pas à partager, à en parler avec votre famille, vos amis et tout ça. Ça se passe sur YouTube et aussi sur TikTok, hein, les amis. Ça dit Algerokan. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir à la chaîne. Alors là, les pommes de terre, on va les couper en 4. Ouais, car ils sont petites, on va les couper juste en 4, c'est suffisant. Et si vous avez des plus grosses, n'hésitez pas à les couper en 2. Encore une fois. Alors pour l'eau, ça va être après, hein, les amis, pas tout de suite. Il ne faut pas rajouter d'eau tout de suite. Et ça ne va pas du tout brûler votre viande ou quoi que ce soit. Hein, car il y a assez suffisant d'huile. Alors là, on a préparé de la coriandre et du persil. Hein, qu'on va couper. Oui, qu'on va couper un tout petit morceau, les amis. On va rajouter encore un peu d'haricots princesse. Hein. Là, on a combien d'haricots princesse en 500 grammes. 400 grammes. 400-500 grammes d'haricots princesse, hein, les amis. Et bien évidemment, si vous n'aimez pas un légume, vous pouvez le retirer. Alors ça va faire un peu de bruit. Je vous dis à tout de suite. Hein. Alors dès que tout l'air est parti du sifflet, on va l'ouvrir tout doucement, hein, les amis. J'ai une dizaine de minutes qu'il est en train de cuire. Voilà, comme vous pouvez le voir. On peut le voir, on n'a pas encore mis l'eau et il y a assez de liquide, hein, déjà. Grâce aux tomates, à la viande. Alors, on va commencer. On va commencer à mettre la coriandre et le persil. Alors par rapport aux épices, on va le faire plus tard, hein, les amis, pas tout de suite. Alors là, on va rajouter de l'eau. 3 verres d'eau, hein, les amis. Des petits verres, pas des grands verres.
Et de préférence de l'eau chaude déjà. Voilà, le masron. On va fermer la cocotte. On vous dit à tout de suite, hein, les amis. Là, tu vas pas trop bien, non? Alors là, on l'a laissé cuire, hein, les amis. On va l'ouvrir. C'est pour le climat. C'est pour le midi, non? Vous pouvez le voir. Ça a bien pris, hein, en tout cas, ça cuit. Alors on va rajouter les carottes, hein, qu'on a coupées. Directement du riz. Ensuite, on va rajouter les 400-500 grammes d'haricots princesse. Alors ensuite, on va mettre un peu d'épices. Hein. On va commencer avec le paprika doux, piquant. Doux. C'est du paprika doux, hein, les amis. Là, il y a une bouchée de cumin. On va mettre un peu de cumin, les amis. On se met une rata de cumin. Ensuite, on va mettre un peu de gingembre. Alors, on va laisser cuire maintenant. Voilà. Faut encore ajouter juste les ailes comme ça, hein, sans les couper. On ferme. On vous dit à tout de suite pour mettre les pommes de terre encore. Hein. Alors, on va ouvrir la cocotte, hein, pour voir, les amis. Ça commence déjà à sentir vraiment trop bon, les amis. Alors regardez, hein. Ça a l'air magnifique déjà. Alors là, on va rajouter les pommes de terre. On va fermer la cocotte et on vous dit à tout de suite. Alors salam les amis, comme vous pouvez le voir, voici le résultat. On va le mettre préparé dans une assiette. On vous dit à tout de suite, hein, les amis. Alors voici le résultat, les amis, du tagine. Comme vous pouvez le voir, on voit bien les pommes de terre, les haricots, les carottes et la viande, hein, bien évidemment. Ça a l'air magnifique et ça sent extrêmement bon, hein, les amis. Du coup, n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de j'aime et de vous abonner, hein, les amis, et de partager. Abonnez-vous sur TikTok, sur YouTube. On a même Instagram, hein. Il y a tous les liens dans la description, Facebook aussi. N'hésitez surtout pas à la suivre sur tous ces réseaux sociaux. Ça lui fera extrêmement plaisir, les amis. Et on vous dit à plus tard, hein. Ciao. Bisous.